بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على الحبيب البكي طيب، صلي وسلم على الحبيب البكي طيب، بارك الله فيك. اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد. يا ربي صلي وسلم على محمد، يا الله صلي وسلم على محمد. الله يرضى عليك، صلي وسلم على محمد، جزاك الله خيرا. J'ai plus besoin de te dire, prends Mohammed صلى الله عليه وسلم comme modèle. Quand tu as un peu le temps et quand tu... Non, c'est même pas quand tu as un peu de temps. Consacre un peu de temps de ta journée à lire la vie de Mohammed صلى الله عليه وسلم. À lire la vie des prophètes, à lire la vie des compagnons. Allah jazak bikhair. Tu apprendras beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. On a fait salat wa salam al habib Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelle belle salutation. La ilaha illallah. Quelle belle salutation. Imagine si à chaque fois que tu écris un commentaire ou que tu réponds à quelqu'un, tu lui dis « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Ça change tout. Ça te donne une indication sur l'autre. Dès qu'il t'envoie, et s'il oublie cette salutation, tu as déjà une indication sur ce qu'il va dire derrière et sur les choses malheureuses qui risquent derrière. Par contre, quand il met « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh », faites le test, vous allez voir, obligatoirement, ou par définition, obligatoirement, il ne peut être que délice dans son commentaire, ou dans sa critique constructive, ou dans ce qu'il va essayer de faire. Dans le monde réel, pas cybernétique, un qui te dit « Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » de loin, tu es en train de le rencontrer, chacun marche vers l'autre, et tu dis « Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Ça change tout, ça met un autre climat dans la rencontre. Voulez-vous pas que je vous montre quelque chose que si vous la faites, vous allez vous aimer? Quoi? Afshu salam abaynakum. Dites salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en humanité. Vous êtes dans les pays normalement pseudo-civilisés. Vous avez un minimum de civilité dans votre façon d'être et de voir les choses. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu une partie, je ne généralise pas, vous êtes devenu des gens non éduqués, des gens qui n'ont comme bagage que le verbe qui commence par F ou le mot qui commence par P, sale P. En plus, l'homosexualité fait ce qu'elle veut chez vous. Peut-être plus que la moitié est homosexuelle. Et quand vous voulez traiter quelqu'un, en plus comme moi, vous lui dites salpé, mauvais ça, mais c'est mauvais. Vous voyez la vie avec des lunettes malheureuses. Il suffit maintenant que vous passez devant une vidéo, un article de musulmans, que vous vous lâchez. Alors que elles sont où vos arguments? Ils sont où vos arguments? Un argument. Ils sont où vos arguments? Argumenter. J'aimerais bien maintenant vous voir argumenter. C'est vraiment extrêmement rare que des musulmans et des non-musulmans mal éduqués, malheureux, haineux, viennent argumenter. Ils viennent crier leur haine, leur lâcheté, leur mépris, leur frustration, leur bassesse. D'accord ? Et wallah, ils me font réguler. Vous savez, réguler. À chaque fois que ça attaque, moi, ça me stimule. Je vous ai déjà parlé de quelqu'un que je n'aime pas, mais son art martial m'intéresse, c'est l'aïkido, Steven Seagal. Steven Seagal, avec une prononciation malheureuse. C'est ça, hein? Celui-là, dans son art martial à lui, plus tu es fort, plus tu utilises la force pour l'attaquer, plus il utilise ta force pour te battre. Ce qui est phénoménal. Donc avec lui, tu n'as pas intérêt à trop vouloir montrer une force malheureuse, parce que plus tu viens avec une force, plus cette force-là que tu vas utiliser contre lui, et il va l'utiliser pour te détruire. Donc cet art-là, je l'aime beaucoup, moi. Wallahi.
Donc vous me stimulez quand vous venez avec une chose que vous prenez comme une force qui s'appelle salpé, F en anglais là, des mots comme ça. Ou des petits commentaires malheureux. Viens, argumente. Et pour ceux-là, les malheureux qui se prennent pour des musulmans et qui s'appellent monothéistes avec tu supprimes un, il y a un autre qui arrive, tu supprimes un, il y a un autre qui arrive, je vous supprime juste pour vous éviter de perdre votre temps et de me faire perdre mon temps. Parce que vous crachez trop et vous me supprimez, vous couvrez 15 à 20 commentaires par tous les 10 minutes. Ça veut dire que vous me couvrez tous les autres commentaires et ça ne m'intéresse pas, les amis. Mais viens, et au lieu de me prendre 200 versets que tu ne comprends pas, viens réfléchir. Allez, toi et moi, on réfléchit, on argumente. Ça marche, les amis. Je vais vous raconter une histoire de ceux qui sont haineux. Haineux. Je vais leur dire, test. Fais un test. Puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman, c'est la'an. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à cracher sur les autres, à insulter les autres, à dénigrer les autres. Vous savez le trou hadith qui dit, il y a un qui est venu avec des montagnes et des montagnes et des montagnes de a'mal saliha, de belles choses. Il faisait le jeûne, il faisait la prière, il faisait pas mal de choses, il aidait. Mais, quand il est arrivé, il a rien trouvé. Allah subhanahu wa ta'ala a pris toutes ses hasanat. Pourquoi? Parce que dans le hadith, il a insulté celui-là. Maintenant, je vais vous dire, les amis, apprends à ton nefs, essaie, juste fais ce test-là. Dès ce soir, teste-le. Avec ta famille, avec tes proches, avec tes voisins, là au travail, avec sur Internet, sur le monde cybernétique. Teste le kalimat tayyiba. Le kalimat tayyiba. Teste le mot gentil, le mot bien. On t'attaque, réponds par un bien. Fais un doigt à celui qui t'attaque et réponds-lui bien. Wallah, tu le tues. Wallah, à son intérieur, il te respecte. Quoi qu'il fasse derrière, à l'intérieur de lui, tu le déstabilises. Tu le déroutes. Il ne saura pas. Parce que l'habitude, c'est quoi? Tu me tapes, je te tape. Tu me cries dessus, je te crie dessus. Tu m'envoies un mail lourd, je t'envoie un mail lourd. Je viens te tester, t'apprivoiser par des crachats, je te réponds moi aussi par des crachats. Maintenant, faites le test inverse. Wallah, il a dit, il a héros. Vous allez être étonnés. Et dans votre monde réel, avec les parents, c'est même pas la peine d'essayer de jouer à notre jeu que le respect, s'il vous plaît. Respect total. Voilà, t'as qu'on au fin, ne leur dis pas fi, s'il te plaît. S'il y a des gens qui m'écoutent, s'il y a des vieux qui m'écoutent, Allah arda alaykoum, les parents, c'est même pas la peine, donc je retire les parents. Avec les voisins, avec les ceux avec qui tu travailles, ils t'insultent, réponds par une kalima tayyiba. Teste-le. S'il te plaît, teste-le. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. Repousse le mal par le bien. فاذا الذي بينك وبينه عداوه, celui avec qui tu as une animosité, quand tu repousses le mal par le bien, il devient ولي حميم, un ami généreux, un ami chaleureux. Wallah, écoutez-moi s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Ne voyez pas le mal là où il faut. Les jeunes, Allah yjazikoum bikhair, vous êtes encore jeunes. Peut-être vous avez grandi dans des enfers de maison. Ça veut dire l'enfer dans la maison, c'est quand le père crie, la mère crie, les oncles crient, les tantes crient, les voisins, tout le monde crie. La violence totale dans la maison, ce qui fait que le jeune est perturbé. L'enfant est perturbé. Allah yjazik monsieur l'enfant, Allah yjazik le petit, Allah yjazik la petite. Apprends, inshallah, dès ton jeune âge, de répondre par le kalimat tayyiba, de propager toujours les bons mots, les mots gentils, la douceur. Ma kana shay, ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais la douceur était en quelque chose qu'elle ne l'a pas embelli. La douceur embellit toute chose. Dans n'importe quel acte que tu fais, dans n'importe quelle œuvre que tu fais, dans n'importe quel comportement que tu as, wallahi, écoute-moi. Allah yjazik bikhair, et ça évitera beaucoup de problèmes psychologiques, ça évitera beaucoup de problèmes de dépression, ça évitera beaucoup de guéguerre, ça évitera beaucoup de querelles, ça évitera beaucoup de désillusions. Al-kalima tayyiba, le bon comportement, la douceur, pousser le mal par le bien. Le muslim hazim, il peut être rigoureux, il peut être intransigeant, mais avec des gens qui ne comprennent que l'intransigeance. Mais globalement, dans ton comportement, Allah yjazik bikhair, sois doux. Soit un délice, soit facile à fréquenter, soit quelqu'un qui c'est dur de le faire, qui combat le mal par le bien.
Et qui va te remercier derrière? Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-le pour Allah. Si tu ne veux pas le faire pour toi ou pour les autres, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman katheeran.